c'est une soirée cabaret, mi-karaoké, mi-cabaret. Et très, vraiment très, 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 très tranquille. Le club de la villégiature, c'est un moment qu'on aime bien, nous, dans l'équipe, parce que c'est un moment de vraie rencontre entre le public et les acteurs. C'est même les acteurs qui ont complètement géré ce club. Moi, je ne m'en suis pas du tout occupé. C'est une idée d'eux. C'est eux qui l'ont mis en scène, c'est eux qui m'ont composé. Et j'aime bien voir ça, cette rencontre, comme ça, sans filtre, entre public et acteurs. C'est une espèce de suite du spectacle, où on a pris des chansons qui font partie de notre mythologie commune. Je ne sais pas, si je vous dis Italie, tout de suite, vous allez avoir des chansons qui vont résonner en vous. Alors vraiment, on a suivi ce fil-là, on n'a pas été chercher beaucoup plus loin. Donc on a pris toutes les chansons qui nous venaient tout de suite, immédiatement, quand on pensait à l'Italie. On en a profité pour glisser quelques références au spectacle. Donc par exemple, sur une chanson par exemple, de Parole de Dalida et Delon, et c'est un couple d'amoureux de la pièce qui va le chanter. Mmh. Voilà, c'est une espèce de comment on peut dire, pas de prologue, mais d'épilogue. Mmh. C'est un épilogue à la pièce.